Kratos. Pour vous expliquer la suite du programme et la suite de l'aménagement du van, je vous emmène avec moi dans ma petite balade du matin. Alors, dans la précédente vidéo, globalement, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de gabarits et des tonnes et des tonnes d'allers-retours entre finalement l'endroit où je travaille et la prise de côte avec ces formes qui sont complètement tarabiscotées. Alors c'est un mot qui est dans le vocabulaire de la famille Mamia, je sais pas s'il existe. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui on va basculer en même temps sur de la finition et en même temps sur tout ce qui va faire un petit peu le confort de cette organisation. Alors je vous en fais bien sûr à la fin de la vidéo une présentation, un petit tour, une petite démonstration, mais ici il faut que je puisse isoler. Alors je vais utiliser un petit isolant mince, je vous mets des liens dans la description, c'est en rien sponsorisé, mais un petit isolant mince assez facile à mettre qui se colle. J'aurais préféré faire un flocage au liège, mais c'était tout de suite une organisation bien plus importante. Donc cet isolant mince, en même temps un peu d'isolant phonique avec de la feutrine, du passage d'électricité. Alors j'ai fait le choix de mettre un panneau solaire sur la tente de toit, mais la tente de toit comme elle se retire, j'ai des connectiques entre les deux, entre le passage de toit et l'entrée dans le véhicule. Vous allez avoir un petit module de charge, un petit système, et vous verrez que j'ai trouvé un mini frigo qui se glisse sous les sièges. Donc voilà pour le programme, en même temps un programme qui va nous permettre de faire de la finition au niveau des caissons, qui va nous permettre de faire des choix de couleurs, des petites choses qui vont amener tout ça à une esthétique qui est plutôt pas mal. Allez, je vous laisse avec le film, amusez-vous bien, on se retrouve à la fin pour une démo. J'ai rajouté quelques câbles, un plafonnier, deux veilleuses, plus un système de charge. Le panneau solaire est sur le toit, les câbles vont passer là, tout est monté ici. Bref, pour le moment, le système, il est à l'essai. Pendant que je vérifie ça, et donc avant que je referme les panneaux, j'ai attaqué l'isolation ici. Je veux voir si ça fonctionne. 19 mm, c'est pas grand chose, mais j'ai envie de dire, c'est déjà ça entre les longerons. Et au niveau des longerons, je colle juste une feutrine. C'est censé être un isolant acoustique. Pour le moment, c'est un test. Je sais pas si je vais réussir à reclipser les garnitures au travers.
plutôt content de l'utilisation de cette mousse ici, sauf que ça me laisse des énormes ponts thermiques. Alors c'est sûr que dans une voiture, je ne vais pas pouvoir faire une étanchéité ou une isolation nickel. Je remets ici par-dessus des couches de feutrine. Thank you.
Le reste de la famille, c'est pas les mêmes matériaux, mais c'est globalement la même problématique. Isolant mince, tissu pour des pare-soleil sur mesure. L'avantage de trimballer la cuisine comme ça, c'est que bah ici, voilà, j'ai mon réchaud. Ici, j'ai toutes les casseroles, les assiettes. Bon, c'est, voilà, c'est de la dinette, mais du coup, eh bah, voilà, on est installé où on a envie. Et je trouve que ça fait une vraie différence plutôt que bah, en van. Souvent, on a un de corvée à l'intérieur, c'est exigu, qui doit faire la cuisine pendant que les autres profitent de la nature. Nous, on est là, tous ensemble, autour de la cuisine et on profite de la nature. Alors, à l'intérieur, ce qui a été difficile, bah, c'est de trouver cette chose-là. Donc ici, on a un petit frigo qui est branché sur le panneau 12 volts et la batterie pour tout le logement technique qui est à ce niveau-là. Ce qui était d'origine au niveau de la voiture, c'est ces deux, en même, il y a trois fauteuils qui sont réglables et qui permettent de... en position nuit d'être avancé. Alors ça se règle pas comme on avance des sièges de voiture, mais ça se fait relativement facilement quand même. Voilà, une fois qu'il est avancé, les deux sièges basculent. J'arrive ici, j'en profite pour vous montrer la gestion de l'eau. Il n'y a pas d'eau. On ne souhaitait pas avoir de l'eau à l'intérieur. Par contre, on trouve chez Decathlon, pour pas les nommer, des douches solaires qui sont des douches solaires bah, sous pression, ce qui fait que eh bah, c'est pareil, on emmène l'eau là où on veut. Une fois qu'on est installé au niveau de ces deux sièges, ici on a le sommier qui se déplie. Ici, vous les avez vus fabriquer sur mesure. On a les pare-soleil qui vont venir se ventouser. Ici, le lit tel qu'il est déplié ne fait qu'1m65. Pour un gars d'1m82, bah, c'est un peu court, mais les pieds sont reposés sur les dossiers là-bas et bah, à l'usage, sincèrement, c'est tout à fait suffisamment confortable.
après cette petite démo, on prend le chemin du retour. Vous aurez compris qu'avec les deux places intérieures pour les parents, les deux places là-haut pour les enfants qu'auront le temps de devenir grands et puis de prendre plus de place, on a une organisation qui n'est pas très conventionnelle, mais qui correspond bien à la famille Mamias. Voilà pour ce petit van tour. Voilà pour ce qui m'a occupé, moi, pendant les vacances d'été. Et puis, on se retrouve très, très rapidement sur la chaîne avec des nouveaux projets de menuiserie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, poser vos questions en dessous. Je me ferai un plaisir de répondre à un maximum d'entre eux. Si vous aussi, vous êtes en train de chercher des infos sur l'aménagement du van, c'est pas simple de trouver les matériaux, c'est pas simple de trouver les idées. J'ai passé de nombreux jours à chercher des infos. Donc, si je peux vous aider, posez vos questions. Allez, bye bye, bonne soirée, à très vite.